juste à droite. Allez par là, oui. Non. OK. Non, mais retournez vers la droite. Ouais. Comme ça, reviens. OK, là c'est à ton tour. Moi, j'ai plus de bras. Oh non? Pourtant, je vois bien deux affaires avec des mains au bout là, qui dépassent de ta blouse. OK, j'ai des bras, mais ils sont morts. De toute façon, je suis pas habillée pour déménager. C'est vrai qu'avec tout ça, j'ai pas eu le temps de te dire, mais je la trouve belle, ta jupe. Ah, merci. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle me donne du style. Disons que je me trouve pas malotte là-dedans. Hey! Pour ce soir-là, on devrait se mettre toutes les trois en jupe. On serait les hôtesses en jupette. Hey, c'est une super bonne idée. C'est sûr que les parents vont aimer ça. Ouais. Je sais pas, ça fait un peu têteux, les trois habillés pareils. Mais non, mais on serait pas pareil, là. Juste chacune en jupe. On aurait quelque chose de spécial. Hey, Pénélope, on est à l'accueil, là. Toute l'image de l'école repose sur notre kiosque. C'est la soirée de visite des parents, là. Il faut les impressionner. Ouais, peut-être. Bon, ben dans ce cas-là, là, vite, allez vous changer. Non, mais avant, on devrait peut-être se séparer les tâches. On avait dit que moi, je servirais les jus. Ouais. Puis toi, Karine, tu pourrais donner les dépliants. Puis moi, ben, je pourrais faire les visites guidées. Si je m'en vais tout de suite, j'ai peut-être une chance que Karine achète l'idée. Bon, ben c'est bon, on se rejoint tantôt, OK? Bye! Non, pourquoi ce serait toi la guide? Oups, ça a pas marché. Ben, parce que ça me tente de les faire, les visites, puis il me semble que moi, je serais bonne là-dedans. Tu veux dire que moi, je serais pas bonne? Les filles, c'est pas temps de se chicaner, là. Si vous voulez être guide toutes les deux, on a qu'à tirer à pile ou face. Okay. Pile ou face? Pile, face. En tout cas, Karine pourra pas dire que c'est moi qui ai tout décidé, hein. Non, mais t'es pas mal déçue. Ouais, mais c'est ça le hasard, hein. Des fois tu perds, des fois tu gagnes. Sauf que c'est pas mal plus le fun quand tu gagnes. Tu réponds pas? Non, le sphère, Claude est là. Ah, tiens, lave-la. Regarde comme elle est belle. Wow. Le tissu est vraiment spécial, hein? Tu trouves pas que j'ai l'air d'un peu de Cindy Crawford? Ouais, Cindy Crawford dans un champ de fleurs. Mais quoi? Ça marche pas les fleurs, là? Hein? Non, c'est beau, mais c'est fleuri. Ben oui, mais ça j'avais compris, hein, des fleurs c'est fleuri. Mais est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Ni l'un ni l'autre. Donc c'est pas une qualité. Attends, là, je me suis mal exprimée. Non, mais c'est juste que je suis pas habituée de te voir habillée comme ça, c'est tout. Ouais, mais tu sais, c'est Claude qui me l'a donné, là. Mais moi, je sais pas trop c'est quoi mon style avec les jupes, vu que j'en porte jamais. Mais c'est pas grave, c'est juste une question de t'y faire, là. Est correcte, ta jupe. Correcte? C'est moi qui me trouvais super cute dans cette jupe-là. Ouais, mais là, je devrais peut-être mettre autre chose, vu que ça fait pas. Là. Non, si tu la raccourcis un peu, elle va être parfaite. La raccourcir? Essaye, là. Tu vas voir ce que je veux dire. Cette longueur-là qu'elle mieux, hein? T'as raison, c'est moi qui étais dans le champ. Elle se porte à cette longueur-là, ta jupe. Mais là, c'est pas juste la jupe le problème, hein? C'est parce que je sens l'air sur mes jambes. Normal, t'as les jambes à l'air. Puis ça veut aussi dire qu'il est pas trop serré à la tête parce que les signaux nerveux se rendent parfaitement des jambes à ton cerveau. Oui, allô? Ah, salut, Karine. Oui, je l'ai trouvée. Oui, je vais la mettre, là, inquiète-toi pas. Ouais, je finis de m'habiller, on passe par chez Pénélope pour qu'elle change, puis on s'en va à l'école. Céline a une super belle jupe! OK, bye, là, à tantôt. Oh, moi puis ma grande langue, qu'est-ce qui m'a pris de dire à Karine que j'allais porter ma jupe?
Oh non, finalement, là, je suis vraiment pas certaine d'aimer ça porter une jupe. C'est parce que tu fais juste penser à ça, là. Promène-toi 5 minutes dans ta maison, puis tu vas voir, tu vas finir par t'y faire. Vas-y, je vais t'attendre. OK. Mais Pénélope, tu me le diras si tu me trouvais ridicule? Tout le monde a dit que notre idée de kiosque était géniale. Et ça va marcher, ça va être écœurant. Hein? As-tu la liste? On va choisir les meilleures épreuves. J'ai pensé à toutes sortes d'affaires malades. Regarde ça. Oh. Hey, t'en as des bonnes? Gonfler une balloune avec son nez. Es-tu certain que c'est faisable? Et automatique, je l'ai essayé. Là, le truc, c'est de commencer de le gonfler un petit peu avec sa bouche au début, là, mais après ça, ça se fait avec le nez, hein? Mais ça prend du souffle. En tout cas, c'est pas quelque chose à faire quand t'as le rhume. Ah! Oh. Oh. Oh, wesh! Mais tu sais, c'est pas évident, là. Faut choisir les bonnes idées, hein? Parce que si on veut que notre kiosque attire des spectateurs, là, il faut que nos épreuves soient drôles, mais difficiles. Ben, c'est ça qui est pas évident. T'sais, il faut que nos épreuves soient difficiles, mais faisables. Et pour que les parents se trouvent bons. Il faut pas que ça soit trop chien, hein? T'sais, si on veut pas se retrouver en punition le lendemain matin. Automatique. Hey, en passant, est-ce que t'as la liste des parents qui sont inscrits à notre kiosque? Ouais, ça, c'est pas fort fort. À date, il y a seulement un parent qui s'est inscrit à notre kiosque. Pis c'est le bonhomme Mongeau. Il n'y a pas grand-chose de drôle à faire avec lui. Il a y rire. L'autre jour, là, pendant un entraînement de hockey, il m'a fait faire 75 push-ups seulement parce que j'avais compté une blague pendant qu'il parlait. Hey, c'est bon, ça. On pourrait se venger des entraînements de fou qu'il nous fait subir. On commencerait par un jeu de poche. Mais un jeu de poche spécial, là. Ça serait lui la cible. Puis à la place de lancer des poches, ben, on lancerait des œufs, hein? Ouais! Puis on pourrait le faire marcher avec un bol d'eau sur la tête. Trop facile. Ouais. Ben, on pourrait mettre des trappes à souris sur le parcours comme obstacle. Ouais, pis on l'obligerait à marcher nu-pieds, hein? Tac, tac, tac! Hey, tiens-toi les orteils d'un trappe, hein? Ouais. Pis au lieu de l'eau, on pourrait mettre du goudron dans le bol. Mais ça, le bonhomme mangeau s'en rendrait compte seulement en tombant. Et juste à l'imaginer, là, moi, je me peux plus. Peut-être que lui, il rirait pas, là, mais toute l'école serait crampée. Automatique. Salut, les gars! Wow, elle a l'air bonne. C'est quoi la farce? Rien, c'est parce que moi pis Simon, on est bien fatigués. Ouais. OK. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous devinez pas? Je m'en viens à votre kiosque des épreuves pour les parents. Cool. En tout cas, ta façon de le dire est pas très convaincante. C'est parce que Thomas est un peu nerveux, là. On n'a pas encore trouvé toutes nos épreuves. Ouais. Ça tombe bien, j'en ai justement pour vous autres. Coudon, les gars, est-ce que je me fais des idées ou vous voulez pas m'avoir dans votre équipe? Puis, ça commence à dégeler un petit peu? J'aime ça, le dentiste. T'aimes ça? C'est rare, ça? Encore? Ça fait 10 fois qu'il sonne depuis qu'on est revenu chez le dentiste. Oui, allô? Non, Marianne est partie chez Annabelle pour la journée. OK, Véro, bye. Apporte le téléphone ici. Ben, bonne idée, ça. Comme ça, je serais pas obligé de me lever tous les 2 minutes. Je t'ai dit, Charles va faire une crise de nerfs. Faudrait inventer un téléphone sans sonnerie. Un téléphone sans sonnerie? C'est bon, ça. Encore? Oui, allô? Ah, maman d'amour, comment ça va? comment ça va? Oui, t'es un petit peu, il est avec moi, je vais lui demander. C'est grand-maman, je voudrais savoir si t'aimerais aller manger au restaurant avec elle. Oui! Oui, tu l'as entendu? Oui, je vais aller te l'amener tantôt, là. Mais attends un peu, tu me le bois pas dans le dessert, hein, parce que là, on arrive de chez le dentiste, puis... OK, bye-bye. Un téléphone sans sonnerie, c'est pas bête, ça? Oh, pourquoi, chez grand-maman? Attends, attends un petit peu, là, il nous reste quelque chose à faire avant. On va aller chercher du filage, du ruban noir et une ampoule. Salut! Là, il faut que j'ai l'air naturel, hein? Allô, Célina? Salut, ça va bien, vous autres? Ça a bien été, ton dentiste, Nathan? Ah, oh, super! Il m'a piqué 8 fois dans le palais. Ah, oui! Wow, chanceux! Y a-tu quelque chose de spécial, Célina, là? Perspicace, mais aussi subtil qu'un éléphant dans une livre de beurre. Sa jupe? Ah oui, ta jupe. Ah oui, je la reconnais, cette jupe-là. C'est extraordinaire, hein? Je suis tellement content que tu la portes. Est-ce qu'elle me va bien? Oui, c'est le fun. On dirait que tu as l'air plus petite. Plus petite?
Mais qu'est-ce que tu veux dire par plus petite, là? J'ai l'air plus jeune. Mais non, mais, Lina, là, t'es assez grande comme ça, ça dérange pas si t'as l'air un petit peu plus petite. Non, je veux pas dire plus petite comme... mignonne, hein? Jolie, élégante. Ben là, il en met trop, ça a pas l'air sincère. Franchement, il va rire, mon père, c'est sûr. Mais automatique, hein? Mais on a peur qu'il rigole un petit peu. Ouais, parce qu'au hockey, c'est pas le genre à faire des farces trop. Ouais, pis sors-le du sport, mon père, pis c'est plus pareil. Ben, Gné, il est pas dans le sport, pis il est pas drôle non plus. Ouais, mais il est pas toujours comme ça. Savez-vous ce qu'il fait avec nous autres le dimanche matin? Des push-ups? Ben non. Il fait des charades. Ah, des charades! Hey, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ces indices. Il essaie toujours de trouver des indices bizarres, là. Je vais vous donner un exemple. Mon premier est une auto coupée en deux. Mon second est un poteau de téléphone sur un bateau. Et mon tout dit toujours automatique. Ben, la réponse, c'est Thomas, mais je vois pas pourquoi. Ben, une auto coupée en deux, tôt. Un poteau de téléphone sur un bateau, un mât. Thomas. Et mon père appelle ça ses charades stupides. Ouais, c'est vrai que c'est drôle, hein? Bon, là, la réponse était facile. Mais des fois, moi et Antonin, on se creuse la tête pas mal pour trouver ce que c'est. Antonin qui se creuse la tête, ça doit censé le chauffer pas mal. Ouais, des fois, là, on peut jouer pendant des heures. Mon père adore ça. Puis quand on trouve la réponse, il trouve ça encore plus drôle. Hey, j'en reviens pas. Ouais. Le pièce des épreuves aux parents, là, c'est en play pour lui. Hey, il a le sens de l'humour, mon père. J'avais jamais remarqué. Mais toi, ça te fait rien qu'on lui fasse passer des épreuves super difficiles? Hé hey là, c'est le jeu, hein? Même que j'en ai pour vous autres des épreuves. Un volontaire? Ouais, lui. Merci, Thomas, t'es vraiment un ami. Automatique. Go! Vas-y! Puis, comment vous la trouvez, mon épreuve? Salissante. Ah, tu parles? Hey, je pensais que t'étais un mime avec ta face toute blanche, hein? Hey. Et là, ton père, il va avoir la face pleine de farine. Tout le monde va rire de lui. Ah, je suis pas d'accord, là. T'sais, c'est pas assez drôle, la face toute blanche. Thomas a raison, là. C'est pas méchant, hein? Regarde-toi, là, t'es tordant. Mon père lui-même va rire, c'est sûr. Ça pour rire, il va rire. Oh, puis finalement, là, je vais l'enlever. Pourquoi? Ben, je sais pas, elle m'avantage pas. Mais si tu veux, je peux t'en prêter une jupe, même si celle-là, je la trouve bien correcte. Tu ferais ça? Parce que, arrangée comme ça, là, je me sens vraiment pas à l'aise pour faire les visites. Oui? Célina, c'est moi, il faut que je te parle. Oh non, pas lui! Il va dire à tout le monde à l'école que j'ai rapetissé au lavage. Quoi, là? Qu'est-ce que tu veux? C'est pour notre kiosque. On a peur de pas avoir assez de visiteurs. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu de publicité? Oui, pas de problème. OK. Puis, est-ce que vous pourriez afficher ça? Phew, il a rien dit sur ma jupe. Célina, je suis content de savoir que t'as des genoux. Mes genoux? Mais qu'est-ce qu'ils ont, là, mes genoux? Hey, Célina! Ça te tente-tu de venir jouer au soccer? On a besoin de ballon! Non, finalement, la jupe, là, ça ne tente plus du tout. Mais je comprends pas. On était d'accord, même que c'est toi qui l'as proposé, l'idée des hôtesses en jupette. Ouais, moi puis mon grand génie. C'est la preuve que j'ai pas toujours des bonnes idées. Célina, tu peux pas faire ça. Puis si j'y allais pas ce soir, vous avez pas besoin de moi de toute façon. C'est toi qui as fait les itinéraires pour les visites. Ben, j'ai juste à les expliquer à Karine, là. Elle s'occupera des visites guidées. Ça lui tentait de toute façon. Célina, qu'est-ce qui se passe? Oh, toi, tu peux pas comprendre, là. T'as des genoux parfaits. Tu veux même pas essayer une de mes jupes? Non, merci, t'es fine, là, mais... Il y a personne qui va voir mes genoux. C'est dégelé, là. Ah, ben j'aime mieux ça. C'est long. Ouais, il sonne. Mais là, patience. Selon mes statistiques, on reçoit un téléphone à tous les 10 minutes. Et là, ça fait 9 minutes 55 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
Ils sont pas bonnes, tes statistiques. Ah non, regarde! Wow, ça marche! Les téléphones sonnent plus! Ils s'allument! Enfin, le silence. Résidence L'Espérance, la porte Carpentier, bonjour! Monsieur Mongeau, comment allez-vous? Chloé, oui, un instant, je vous la passe. Chloé! T'es demandé au téléphone, là! Ça veut dire qu'il va falloir qu'on reste tout le temps devant le téléphone? Donc, mon invention n'est pas tout à fait au point, là. Je vais la retravailler. Hein. Inventer, c'est recommencer. Ça veut dire que t'es un bon inventeur? Est-ce que je le prends comme un compliment, celle-là? Là? Papa, le téléphone dans la cuisine fonctionne plus. La ligne est morte. Chloé, c'est ton père. Ah, merci. Oui, c'est moi qui l'ai coupé en haut. Oui. Mais pourquoi? Ouais. Parce que j'ai décidé de combattre la pollution du bruit. Hein? Ça ne sonnera plus dans la maison. Oui, 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 c'est fini les sonneries, fini les sonneries, fini les sonneries. Maintenant, on va avoir un signal lumineux. On va pouvoir jouer aux cartes en paix. Okay. Mais là, pourquoi t'as pas juste fermé les sonneries des téléphones plutôt que de tous les débrancher? Ouais, mais parce que je voulais avoir un signal lumineux, moi. C'est bien mon père, ça. Mauvaise nouvelle. Mon père pourra pas participer aux épreuves des parents. Il fait une indigestion. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire, là? On va en trouver un autre. Mais... Hey, vous, vous êtes pas inscrit aux épreuves des parents, hein? Comment ça se fait, un père impliqué comme vous? Les épreuves pour parents, c'est quoi cela, là? C'est des épreuves pour montrer les parents sous un visage différent. Simon vous en a pas parlé? Oh, mon père, il est vraiment occupé, hein, t'sais, avec ses inventions et tout ça. Non, j'ai jamais entendu parler de ça, là, mais ça m'intéresse. C'est quoi, au juste? Ben, c'est pour faire rire, t'sais, c'est des épreuves d'habileté. Ouais, puis les habiletés, c'est pas ton fort, hein? Wow, fistouna dodo, ça t'apprendra que j'ai pas toujours les mains pleines de pouces, hein? Considère-moi comme déjà inscrit. Puis, ton téléphone à lumière? Là, mon invention est pas tout à fait au point, là. Regarde bien, là. On va revenir au bon vieux téléphone à sonnette. Hey, mon père va faire un vrai fou de lui devant toute l'école. Bon, viens, Nathan, là, je vais aller te conduire chez grand-maman. Puis pendant ce temps-là, je vais me préparer mentalement pour vos épreuves. Salut. Pénélope n'est pas encore arrivée? Non, elle aide la gang du parent. Non, oh, Pénélope me dit que t'aimais pas ta jupe. Ben viens, je pense que j'en ai une autre dans ma case. Je te vois dedans. Non, laisse faire, ça me tente plus, tu sais. De quoi on va avoir l'air, là, toutes les trois habillées pareilles, de trois nerds en uniforme? Mais voyons donc, des nerds, là, c'est des jupes qu'on porte, pas des lunettes en fond de bouteille. De toute façon, là, on a décidé les trois de porter des jupes, puis il est trop tard pour changer d'idée. Puis tous ceux qui ont vu ma pancarte, là, ils ont trouvé que c'était une super bonne idée. Ben, donne-la-moi ta pancarte, là. Regarde, comme ça, y a personne qui va savoir que je suis en pantalon. Ben là, vas-tu traîner la table pour faire les visites guidées aussi? Non, c'est toi qui vas s'occuper des visites guidées. Moi, je vais donner les dépliants. C'est parce que je suis pas une girouette. Mais là, excuse-moi, aimes-tu mieux qu'on laisse tomber les visites? Hein? Et là, t'as fait les itinéraires, t'as passé l'après-midi à faire du ménage dans l'école, puis là, tu changes d'idée. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, là? Je suis fatiguée. Ben, c'est comme ça. Je savais pas que t'étais une lâcheuse. Non, je suis pas une lâcheuse, c'est juste que ça me tente pas de me mettre en jupe, il me semble que c'est simple à comprendre. Bon, c'est comme tu veux. Mais... Salut. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Oui, pas de problème. Merci. T'es plus hôtesse? Ben oui, pourquoi? Ah, ben c'est parce que t'es pas en jupe, là. Moi, à ta place, je m'embarquerais pas là-dedans. Non, mais c'est pas ça, là, c'est juste que le concept a un petit peu changé. Ah, ok, c'est juste que moi, je trouve ça vraiment bon, les hôtesses en jupette. Ah oui? Oh non... Oh non, là, je sais vraiment plus ce que je veux, moi, là. Bon, je pense que tout est là. Va falloir aller rejoindre Thomas. Faut l'aider à ranger le kiosque. Ben, je trouve que tu vas vite, là. Mais Simon, ça fait trois fois qu'on vérifie si on a tout. Tu t'en fais pour rien, là. Mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on compte les macaronis qu'on a mis dans la boîte? Ben, je sais qu'il y en a 425. C'est juste que... Tu sais, l'épreuve de Thomas, là, l'œuf dans la casquette, ben, je suis pas sûr. Mais pourquoi ça marche, là? On l'a essayé deux fois. Ben, justement, les deux fois, l'œuf a cassé. Puis
Puis se retrouver avec un œuf cassé dans les cheveux, c'est pas très agréable. Mais voyons, c'est drôle. Pas tant que ça. Je pense qu'on devrait revenir à tes énigmes. T'en avais des super bonnes. Tu sais, celle du secret de la tablette. J'allais vraiment ri, hein. T'es bonne. Simon, quand je vous l'ai raconté tout à l'heure, toi pis Thomas, vous m'avez regardé comme une extraterrestre. C'est pas ce que j'appelle un gros rire. Ben, moi, je trouve que ça serait mieux que l'épreuve de la casquette. Bon, c'est correct. C'est drôle pour mon père, mais pas pour le tien. Mon père, là, il a pas le sens de l'humour. Mais c'est pas ça qui avait l'air quand je lui ai parlé de notre kiosque, hein? D'ailleurs, ça m'étonne que tu y en aies pas parlé. J'avais oublié. Ouais. Tu sais, les épreuves, c'est pour s'amuser. On va rire avec ton père, pas de lui. Ouais. Bon, ben, Nathan est chez sa grand-mère. C'est la boîte que vous voulez que j'apporte? Papa, t'es sûr que tu veux venir? Parce qu'il est encore temps de changer d'idée. Oui, ben oui, je veux venir, là. Mais c'est une bonne idée, votre kiosque. Ça serait dommage que ça tombe à l'eau parce qu'il n'y a pas assez de participants. Hmm? Ouais. Oh, c'est plate, hein? Pourquoi j'ai eu l'idée de faire un kiosque d'épreuves aux parents aussi? Où est-ce que Célina a mis ses feuilles? T'es déjà en panne? C'est ton premier groupe. Mais c'est parce que je me rappelle plus si on doit commencer la visite par la salle des dîners ou bien par les gymnases. Mais pourquoi Céline a disparu comme ça? Salut! Je suis pas disparue, je suis allée me changer. J'avais apporté ma jupe au cas où. Wow, elle est cool! Ouais, puis je l'aime. J'ai décidé que j'allais la porter parce que moi, je trouve qu'elle me va bien. Alors là, les hôtesses en jupette sont de retour. Oui, madame! Bon, ben moi, ça me dérange pas, mais si on veut pas avoir l'air des nounounes en jupette, on ferait mieux de s'activer. OK, veux-tu continuer les visites? Ben non, là, c'est correct, t'as gagné le tirage au sort, là. On continue comme c'était prévu. OK. Bon, ben chacune a nos tâches, les filles. D'accord. Chers parents, chers élèves, nous vous signalons une nouveauté cette année, le kiosque des épreuves aux parents. Mais si vous êtes en train de faire la visite de l'école ou si vous êtes à un autre kiosque, prenez tout votre temps. On n'est vraiment pas pressé. Vraiment pas. Ta-da! Merci, merci. Il faut avouer que mon père est pas mal fort. Hein? Mais attendez de voir la prochaine épreuve, c'est le clou du spectacle. Vas-y, Claude, là, t'es capable. OK, je suis prêt. Chloé et Thomas, apportez-moi les accessoires. Voilà. Merci. Bon, il faut que vous croquiez dans un raisin. Jusque-là, c'est facile. Mais sans te servir de tes mains. Oh, ben, je pense que je suis capable de faire ça. Excusez. Oh, oh! Hey! Il est pas juste drôle, ton père, hein? Non, c'est toute une balle aussi. Dire que j'avais peur d'avoir honte de lui. Bon, ben, il nous reste plus qu'à vous remettre le diplôme, qui est une caricature dessinée par un élève de l'école. Ah. Et l'œuvre s'intitule « Parents ayant réussi les épreuves, les doigts dans le nez ». Ouais! Puis, il faut l'encadrer puis l'accrocher dans le salon. Ça, c'est la dernière épreuve. Ah ouais, mais cette épreuve-là, je suis pas certain que je vais être capable de la réussir, hein? Vas-y, Claude!